Pour sa saison 2021-2022, TFM développe une nouvelle offre de fiction française. Alice Nevers, profilage et section de recherche ont fait les frais de ce renouveau, souhaité par la première chaîne d'Europe. Clem, quant à elle, a réussi à décrocher une 12e saison. La saison 12 de Clem est attendue dans les prochains mois à l'antenne de TF1. La série sera toujours pilotée par Lucie Lucas. La comédienne, qui est l'ancien à nouveau de filles à travers Danse avec les stars, délivrera la suite des aventures de Clem avec Augustine Galliana, Carole Richert, Thomas Chomel ou encore Jean Del. Lou Denis et Lyon, ex-héros de scène de menage sur M6, sera également de la partie. Olona Noguera renforcera le casting avec François-David Cardonnel, révélé par Koh-Lanta. Cette saison 12 de Clem sera le théâtre de nouveaux départs. Clem, Lucie Lucas, s'installera avec ses enfants chez Mathieu Colline, Lou Denis et Lyon. Cela ne sera pas sans consequence pour Emma, Elina Sandleman. Alors que Valentin, Thomas Chomel, prendra un nouveau départ sur le plan scolaire, Iris, Olona Noguera, apparaîtra en trouble fête. Adrien, Augustine Galliana, qui se remettra du décès de son père, verra son destin basculer avec Amélie, Karina Testa. Marie-France, Carole Richert, prendra un départ inattendu, tandis que Clem sera perturbé par le retour de Jérôme. Ce dernier, autrefois incarné par Benoît Michel, sera désormais porté par François-David Cardonnel. Après 10 ans d'absence, il sera déterminé à reprendre sa place de père auprès d'Emma. Après une saison dite décevante, Clem a repris des couleurs en saison 11. Celle-ci, proposée par TF1 au printemps 2021, a été suivie par une moyenne de 3,45 millions de téléspectateurs, soit 15,7 du public âge de 4 ans et plus. Sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats, c'est à deux cibles de la une, la part de marché est élevée à 24,8. Un bilan en net hausse sur un an. La saison 10, programmée le mardi soir à la rentrée 2020, n'avait pas excédé une moyenne de 2,81 millions de fidèles, soit 13,2 et 4 ans et plus et 21,5 du public.